Sur le moustique-tigre, les actions du département sont multiples. D'abord, la prévention, ensuite la communication, l'information la plus généralisée possible, la formation aux acteurs du territoire, l'animation de réseaux de manière à communiquer de plus en plus en étoile, c'est-à-dire en démultipliant l'information, et ensuite de servir d'assistance technique en termes de connaissances pour les personnes qui souhaitent agir directement sur le terrain. Le département, en 2021, s'est attaché principalement à deux cibles. La cible des collectivités, c'est-à-dire toutes les mairies, toutes les communautés de communes, et puis l'autre cible, c'est le grand public. En ce qui concerne les collectivités, c'est beaucoup de flyers, de courriels directement adressés aux maires avec des courriers, des campagnes d'animation, de réseau, parce qu'il faut former les agents des collectivités à être des relais auprès de la population et en même temps à réduire les sources de nuisance des moustiques. Et puis sur le grand public, c'est principalement des campagnes de communication, d'où cette vidéo aujourd'hui. Il faut sensibiliser le grand public et ça, le département le fait principalement à travers tous les grands réseaux de communication, c'est-à-dire les abris bus qui appartiennent au département, des flyers, les réseaux web, des campagnes radio, la presse, etc.